Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, on est aujourd'hui pour un haul Shein. Ça fait un moment que j'ai pas fait de haul. C'est la première fois que je vais faire un haul au naturel. Genre je suis pas maquillée. Bon, j'ai des extensions de cils, c'est vrai, mais je suis pas maquillée. Des fois, faut faire simple. Donc je vais vous montrer ce que j'ai choisi, quelques basiques pour mettre là en ce moment. Il fait pas trop froid, pas trop chaud, voilà. Et let's go comme d'habitude. Vous aurez le format caméra et à côté le format téléphone pour que vous puissiez bien voir les articles sans plus tarder. On va commencer. Comme vous pouvez le voir, j'ai fait un très très gros colis. Donc on va ouvrir tous ensemble. J'ai pris pas mal de bijoux les gars. En fait j'ai pas assez de bijoux, surtout des bracelets. J'ai des bagues, des colliers, j'en porte jamais parce que je trouve que ça fait trop sur moi. Mais j'ai jamais de bracelet et je trouve ça super beau. Donc j'en ai pris beaucoup beaucoup beaucoup. J'ai trop hâte de vous montrer. Parce que je vous cache pas que ce haul, c'est surtout un haul un peu de vacances. Voilà, si j'ai pris ces bijoux, c'est vraiment parce que je pars en vacances. Donc je vais vous montrer tout ça. Donc déjà pour commencer, ça sera pas au goût de tout le monde, mais j'ai pris ce bracelet couleur un peu cannelle comme ça. J'aime trop le beige, le marron un peu marbré comme ça, couleur cannelle. Hey, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop. Incroyable. Incroyable. Après c'est vrai que j'ai un poignet tout fin et tout, mais je vous jure que ça donne. Elles sont super cute. J'en ai pris des dorés comme ça. Moi j'aime trop le doré, mais de différentes tailles, grand, moyen, petit. Et je trouve ça trop 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 beau. En vrai de vrai c'est super beau hein. Je sais pas pourquoi j'ai jamais qu'à là, mais trop cute. Ensuite j'ai pris ce bracelet comme ça là. J'aime trop la forme. Moi les détails, juste incroyable. Ensuite les gars, c'est à peu près le même style. C'est trop 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 cute. Il y a juste les petits détails qui changent. Après le but c'est pas de ressembler à une indienne, mais vous avez capté la vibe. Genre en vrai t'es bien habillée, t'en mets quelques-unes. Là ça fait super super beau. Nous avons ce petit bracelet. Regardez les détails. J'aime trop, franchement c'est trop 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 beau. Le vert et le violet mélangé comme ça, là je trouve ça trop 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 cute. Ensuite les gars, j'ai pris des boucles d'oreilles. J'aime beaucoup la forme, voilà, on dirait des poires et tout. Franchement je trouve ça trop 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 beau. Des formes un peu abstraites comme ça, vous connaissez déjà ma vibe. Moi je kiffe trop les trucs comme ça. Donc ouais non, franchement ça pourrait faire beau. Ça pourrait faire très 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 sympatoche. J'aime beaucoup. Ensuite j'ai pris des petites boucles d'oreilles comme ça. Très simple mais très 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 beau. Je suis sûre que vous allez dire mais elle aime trop le doré. Eh les gars c'est trop la base le doré. Moi je trouve que c'est ce qui me va le mieux. Le doré c'est trop 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 beau. Ensuite les gars j'ai pris des sur-têtes. Je sais pas si vous vous rappelez à l'époque comment c'était trop à la mode ça. Si t'avais pas de sur-tête à l'époque, franchement t'étais pas à la mode. Et en fait en vrai ça peut grave faire beau quand tu colles ta lace là. T'as mis ça par dessus, franchement ça peut faire trop 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 cute. Donc, toujours pour les cheveux, là j'ai pris des barrettes parce qu'on en a jamais jamais assez. Donc j'ai pris en noir et en blanc. Franchement j'aime beaucoup ces petites barrettes, elles sont super sympa. Tu te prépares et tu mets tes petites barrettes, franchement c'est juste nickel. Donc voilà, j'ai repris ça. Ensuite j'ai pris ce silicone, alors rien à voir avec les bijoux, c'est juste le silicone que je mets derrière mon téléphone. Je trouve ça d'ailleurs super super pratique parce que moi quand t'es créatrice de contenu, t'aimes bien filmer un peu partout et je peux le mettre un peu partout, que ce soit sur les vitres ou sur les miroirs pour pouvoir filmer. Donc ça c'est cool, donc j'en ai repris. Ensuite les gars j'ai pris des bandeaux. J'aime trop les bandeaux, ça fait grave clean girl. Et vous me connaissez, en ce moment je suis dans mon mood clean girl. Je sais pas si vous avez remarqué, j'ai fait mes ongles super courts, c'est mes ongles naturels. Je commence vraiment à devenir une femme assez simple, assez très, vous voyez, on est sur la bonne voie, vous voyez ce que je veux dire. Donc j'ai pris des bandeaux comme ça que je trouve trop cute, donc en blanc, noir, beige et gris. Et je trouve ça trop mimi, j'ai trop hâte de les porter. Rien à voir, mais j'ai pris des adaptateurs sur Shein parce que j'ai vu qu'ils en vendaient. Et en fait, ça me permet de pouvoir fusionner mes photos qui sont sur mon appareil photo directement sur mon téléphone. Donc on va voir si ça marchera. J'ai trop hâte de les tester parce que ça, quand tu es créatrice de contenu, c'est vraiment ce qu'il te faut dans ton sac. Donc j'en ai pris deux parce qu'on connaît ces petits matériels qui coûtent pas cher et qui te lâchent là au bout d'un certain temps. Toujours dans les accessoires, les gars, j'ai vu ce petit sac en jaune que je trouve super super cute. Vu que je vais au soleil, je me suis dit un sac jaune comme ça, ça peut être que mimi. Franchement, c'est trop beau. J'aime beaucoup la couleur et tout. C'est bien encroché. Et ici, vous avez un petit support. Voilà.
Il y avait un super à l'intérieur. Les sacs, voilà, j'aime bien en acheter beaucoup, donc je me suis dit je vais prendre une seule couleur. Voilà, donc j'ai pris le jaune et je trouve ça trop beau. Alors, avant d'attaquer les vêtements, les gars, j'ai pris des chaussures qui sont juste magnifiques, s'il vous plaît. Et vous me connaissez, moi j'aime pas trop les talons, j'assume pas, donc j'ai pris vraiment... voilà, c'est super petit, je sais que je vais les supporter en pointu comme ça, c'est ce qu'on veut, c'est trop beau, ça fait classe, ça fait femme mature là, on adore. Et regardez les détails, genre on dirait un peu des chaussures Gucci, mais on sait tous que c'est pas des Gucci, voilà, mais on adore. J'ai marché avec, j'ai même pas un peu mal, en fait c'est super court et je sens que ça c'est le genre de talon que je vais mettre dans la vie tous les jours là. Là ça y est, c'est bon. Les gars, j'ai oublié de vous montrer ces petites boucles d'oreilles. Alors elles sont assez particulières, en fait elles se mettent, en fait ton oreille rentre au milieu et du coup t'as le devant et le derrière. J'ai vu ça, je me suis dit vas-y je vais la tester, ça a l'air super cute. Donc ouais non, c'est très mimi, j'aime. Alors ça c'est le premier ensemble, franchement super cute mais rien de plus, c'est un ensemble super super simple. Et je me suis rendu compte que je l'ai pris deux fois, donc je pense que l'autre finira sur Vinted. Et bon, sinon ça, j'aime beaucoup la texture, elle est très 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 lisse, j'aime beaucoup la couleur. Je vais mettre le format téléphone, ne me jugez pas, je suis en train de tourner, donc si c'est le bordel c'est normal. Je suis en train de filmer, parce que vous voyez venir, vous allez tout ça là, tous ces vêtements autour, c'est parce que je suis en train de filmer les gars. D'accord. Je mettrai un petit 8. L'ensemble, il me semble qu'elle m'a pas coûté cher. Donc 11 euros, il me semble. 11 euros. Donc ouais, non, nickel. On adore. On valide, on valide. Ensuite, les gars, nous avons cet ensemble. Franchement, j'étais choquée quand j'ai vu qu'ils vendaient ça sur Shein. Les marques un peu modestes, ils aiment trop vous allumer sur les ensembles comme ça. Et sur Shein, il me semble que ça dépassait pas une trentaine d'euros. Donc je trouvais ça super sympa. J'aime beaucoup la couleur. Bien évidemment, vous pouvez mettre un t-shirt à l'intérieur. Moi, je l'ai juste mis pour laisser. Mais je trouve ça super super beau, c'est ample et tout, il me semble que j'ai pris une taille M et ça taille assez bien, tu te sens assez bien à l'intérieur, c'est ni trop large ni trop serré, donc franchement c'est parfait. Ensuite les gars, nous avons cet ensemble, j'aime trop la coupe, elle est incroyable, je trouve qu'elle est faite pour moi carrément. Alors, j'abuse même pas un peu, regardez s'il vous plaît. J'aime beaucoup les coupes comme ça, vous connaissez déjà ma vibes. C'est complètement ma cam. Et le fait que ça soit de cette matière, des petits boutons comme ça, ça fait très classe, très simple. J'aime trop cette couleur, vous me connaissez déjà. Et il y a aussi le pantalon qui tombe parfaitement vers mes pieds. J'aime trop quand les pantalons tombent à ce niveau. J'aime beaucoup. Après, on va le repasser, hein? On va le repasser pour pouvoir sortir parce que ce sera beaucoup plus beau comme ça. Mais sinon, on adore. On adore, on adore. Franchement, je mets un 10 sur 10. Ensuite, les gars, nous avons ce bustier. Il est très beau. J'ai pas boutonné partout parce que, honnêtement, les gars, j'ai la flemme. Voilà, j'ai un peu la flemme. Mais vous voyez un peu ce que ça donne. J'ai une matière un peu blazer. Et j'aime trop, il y a les petites poches comme ça, donc bien évidemment c'est des fausses poches. Tu mets un petit jean assez clair, franchement magnifique. Qui peut s'asseoir à ta table, je ne sais pas. Mais en tout cas, magnifique le bustier. J'aime trop, je valide, je donne un petit 10. Voilà, je donne un petit 10 parce que simple et efficace. Je pense que plus en plus je fais des hauls et plus en plus je vais capter un peu ma vibe. Là, là, j'adore, là j'aime trop. Là carrément... Je suis in love. Ensuite les gars, j'ai pris un petit haut simple. Vous me connaissez, moi j'aime trop les hauts blancs. Et j'aime beaucoup la coupe en fait. C'est vraiment la coupe comme ça, carré. Comme ça je trouve ça super beau. Et les petites manchettes, elles sont un petit peu plus longues que d'habitude, comme un t-shirt classique. Et j'aime trop, par contre le seul truc que j'aime pas les gars, c'est la matière. La matière j'aime pas. Ça fait cheap, ça fait t-shirt que t'as acheté à 1€. Même si c'est le cas, mais on n'a pas forcément envie que ça se voit. En plus, il me semble que c'était pas 1€, hein. C'était peut-être 6, 7 euros. Mais voilà, franchement, ça, je suis un peu déçue. Waouh, j'aime trop les gars. J'aime trop cette robe. Hey, depuis que je le voyais sur le site, elle me faisait de l'œil. Je le regardais, elle me regardait. Il me disait, un jour. Et ce jour, c'est aujourd'hui. J'aime trop. Alors, la couleur, je vais pas en parler parce que vous savez déjà que c'est ma couleur préférée. Le tissu, incroyable. J'aime trop quand ça colle comme ça, proche du corps. J'adore. Et ce petit détail un peu en fente comme ça avec les... Voilà, la robe qui descend comme ça. Mais c'est... Je suis in love. Si tu as envie d'être un petit peu classe, ça le fait beaucoup. Franchement, ça le fait. Ça le fait beaucoup avec un petit sac classe et tout en mode Madame Voresso. Non, c'est trop. Est-ce que j'ai besoin de parler? Est-ce que j'ai besoin de parler? Cette couleur,
je peux clairement dire que c'est la couleur qui me va le mieux au monde. En tout cas, j'ai rien vu. J'ai pas vu de couleur pour l'instant qui m'allait super bien au teint. Et je trouve que cette couleur un peu cannelle, pff, incroyable. Qui a créé cette couleur? Incroyable. Avec ma petite coupe là. Non, c'est trop beau. Est-ce qu'on peut clairement dire que c'est le meilleur pour la fin? Oui. Incroyable. Magnifique. Même moi, j'y crois pas que c'est du Shein. Pour moi, c'est du... C'est une grosse marque. Incroyable. C'est vraiment la robe que je sortirai genre pour The Événement, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas incroyable, j'aime trop. Moi j'ai compris, toutes les couleurs un peu marron, un peu dans ces tons un peu là, je trouve que ça me va super bien. Et magnifique, la coupe, dinguerie. Non, j'aime beaucoup. Maintenant il faut juste l'événement, ok, et le maquillage. Voilà les gars, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, que t'as pu te choper quelques pépites. Franchement, j'ai fait un peu de tout. Je trouve que je vous ai proposé pas mal de tenues qu'on peut porter là en automne, même si c'était pas dédié que pour ça. Mais en vrai, on peut aussi le mettre en ce moment. Donc j'aime beaucoup ce que je vous ai proposé, surtout niveau accessoires, franchement, pépites. En tout cas, j'espère que vous avez trouvé quelque chose qui vous plaisait. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Vous pouvez me dire en commentaire quelle marque vous voulez que je teste. Avec plaisir, j'adore les hauls. Et je vous fais de gros bisous. On se retrouve très bientôt. En ce moment, je suis en vacances, ok? Donc restez à l'affût, parce qu'en ce moment, les contenus vacances, ça va être dingue, ok? Je te fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt.